Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup pour ce live du mardi 6 avril à 19h. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Ce serait vraiment parfait. Dans les commentaires. Bonsoir Annie, bonsoir Florent, Cécile. Alors oui, il y a eu un petit souci vers le 20h-19h. En fait, YouTube ne prend pas en compte le décalage horaire français. C'est un peu difficile. Donc voilà, il a pris l'ancienne heure 20h. En fait, c'est bien tout le temps 19h. Voilà. Même si c'est marqué autre chose, il sera toujours 19h. Donc vous en faites pas. Je vous préviendrai par mail s'il y a vraiment un souci, mais ce sera toujours 19h jusqu'à 20h, 20h05 si vous débordez pas trop. Ma foi, on est bon, je pense. Du coup, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ce serait pas mal. Voilà. Est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que ça prend pas trop le dessus sur moi? Dites-moi tout. Voilà, attends que c'est 30 secondes. Vous aurez besoin du coup avec vous une chaise et tapis, bouteille d'eau, carafe d'eau ou toute autre substance que vous voulez boire pour ce soir. Donc, vous prenez avec votre chaise avec vous, vous la mettez du côté, vous pouvez venir se chauffer dans un premier temps. Et Damien, bonsoir Benjamin. Enfin bonjour, bonsoir, on vient plus. Bonjour Damien. Comment bien se passer? Bonjour Ambline et bonjour Benjamin. Si c'est bon pour tout le monde, nous allons pouvoir y aller. Faites attention d'avoir assez d'espace autour de vous, soit à droite ou à gauche. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, vous êtes intelligent, je pense que c'est déjà pas mal. La chaise avec vous, donc ça va être renforcement, comme c'est marqué, full body, tout le corps. Donc, on va faire tous les muscles montés, on n'a pas besoin de plus d'une heure. Mais voilà, on va faire surtout chauffer quadriceps, ischio-jambiers, triceps. C'est pour l'expérience. J'ai pas beaucoup de muscles. Et ma foi, c'est déjà pas mal. Un peu de gainage à la fin. Une touche sur les fesses et au dodo. Hop là. Des questions? Pas pour l'instant. Donc je répète, ce sera toujours 19h. Mais je sais pas si je peux essayer de changer ça ou pas. Mais voilà. Bah c'est tout. Je pense que j'ai trouvé. La musique. Ah, je me demandais si c'est bon. Pas de soucis, je vais m'en faire une musique tout de suite. Hop là, ça a l'air d'être pas mal, d'être un peu mieux, tout est bon comme ça. Nous allons pouvoir y aller. Hop là, je vais m'en. Et hop là, je vous souhaite une bonne séance. Si vous avez un peu sur son micro. Ah, bah là, je pense qu'on est bon, j'ai fait le décalage entre les deux. Dites-moi si c'est mieux ou pas. Voilà, puis. Nous allons pouvoir y aller si c'est bon. Voilà, je vous attends. Et j'ai 30 secondes de décalage à chaque fois. La bouteille avec vous pour votre petite chaise. Coucou Damien. Bonsoir Laurence. Bonsoir, bonjour, je sais plus. Bon, je commence pour l'instant et puis. Merci Damien. Coucou Irina. Hop là, un pas à droite. Ouais, ce n'est que 80, c'est ça. Hop là. Je commence, comme ça, c'est des petites questions, je regarde, et voilà. Un peu à droite, et à gauche, et encore. On s'auto-grandit, vraiment. Hop, toujours au maximum. On change de côté à chaque fois. Et gauche, et droite, hop. Auto-grandissement toujours en contractant ses abdominaux, même si on en a pas beaucoup. Et on sourit. Et voilà, c'est tout. Donc mettez la chaise sur un côté pour l'instant. Dites-moi si c'est mieux au niveau de la musique. Voilà, toujours un pas, droite à gauche. Et on vient marcher sur place. Et droite, gauche. Pointe de pied maintenant vers l'avant. Devant, devant. Autograndition, toujours je me grandis. C'est ok, super. Et la même chose sur le côté. Droite revient et gauche revient. Côté et on revient et on marche sur place et droite gauche droite gauche droite et gauche. On vient maintenant monter le genou droite et gauche. Autograndissement toujours pour bien arrêter les mains tout là-haut. Vous voulez et droite et gauche
et un ferry. Et on marche sur place. Autoconduisant toujours droite et gauche. Sur le côté, avec une grande petite, en plus on peut rester comme ça, ou alors droite et gauche. Et on remarche sur place. Et droite, gauche, on va y arriver. Devant, prends le pied, on diagonale sur le côté. Même chose derrière. C'est trop rapide, je vais moins derrière. Et c'est trop facile, je vais plus loin sur le côté. Allez. Autograndissement toujours. Et loin derrière. Il y a un petit message. On continue toujours. Pas facile ce soir, je n'ai pas de son. Ah, c'est pas ma faute pour une fois. Enfin, sauf si vous n'avez pas de son. Ce serait dommage. Et on marche hop. Droite et gauche. Hop là, prends le pied vers l'avant. Devant. Il n'y a que Christine et Marie-Légusso qui n'ont pas de son ou c'est tout le monde. Prends le pied devant. Et montez. Deux genoux. Genoux. Et genoux. Et autograndissement. Toujours. Avec ou sans impulsion tranquillement. Et on marche sur place. On écarte et on ferme. Et j'écarte et je ferme. Avec ou sans, toujours, impulsion vous devoir. J'écarte et je ferme. Et j'écarte et je ferme. Et je marche sur place. Les mains sur les côtés. Et je vais dans un... Bon, j'enlève des messages, on continue. Non, tout va bien. Enfin, désolé. Hop là. Position épouvantail. Et on change, on vient vers l'arrière. On chauffe un peu les triceps. Et on bloque. On bouge plus. Pied à jour des épaules. Et on monte. Et on monte. 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 Et monte. Paume de main toujours vers le bas. Et tout là-haut. Je fléchis et je tends mes genoux. Je me fais un coucou loin. On essaie de pas trop baisser les mains. Hop, c'est vraiment bloc au niveau des épaules et on fait un petit coucou de loin. Si je peux, je peux aller chercher. Hop, plus loin. Avec mon pied, vous devoir. Allez, encore. 3, 2, 1. Et on marche sur place. C'est droite, gauche, droite, gauche. Et on prend devant. Tranquillement, on vient de croiser de plus en plus sur le côté. Droite revient, gauche revient. Allez, on va chercher de plus en plus loin si on souhaite venir mettre une petite impulsion à vous de voir vraiment. On va passer vers l'arrière. Hop là, derrière. Il y a un message de regard, continuez. Hop, ceci. Faut éteindre. On va allumer pour que je sois. D'accord. Ah, merci de l'info, je ne savais pas. Côté, derrière. Et on marche sur place. Droite et gauche. J'écarte mes pieds, genre des épaules. Et talon fesse, talon fesse, talon fesse, talon fesse. Les mains. On va chercher ses coudes vers l'arrière. Encore 3, 2, 1. On va mettre une petite impulsion de plus grande amplitude au moins. On accélère un petit peu beaucoup. Et avec toujours, avec le sens d'impulsion. Et on marche sur place, et droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, et encore. Et gauche. Et on marche sur place. On rétient la musique, c'est magnifique. Et on reprend monter les genoux cette fois sur le côté. Avec ou sans impulsion, on va venir approcher le coude vers le genou opposé. Ok, pardon, c'est l'émotion. Hop là.
et les mains sur les côtés si on le souhaite. Ah, si j'ai mal aux mains, vous en faites pas. Allez, avec ou sans impulsion, faites comme ça ou comme ça. C'est mieux comme dit, c'est sympa. On écarte et on ferme. Écarte, ferme. Avec ou sans l'impulsion, toujours. Hop, on met une mèche. Allez, encore. On peut juste faire comme ça. On va faire deux petits sauts à chaque fois. 1, 2, 1, 1, 2. Allez, encore 3, 2, 1. Et on remarche. Hop là. Hop là. On écarte sur le côté. Droite et gauche. Hop là. On va sur le côté. On vient décoller. Les pieds. Et on grandit vraiment au maximum. J'inspire, je descends, je souffle et je monte. Et on va chercher un peu plus haut. On va fermer tous les autres mains. Enfin, les autres mains, il y en a que deux. Enfin, la main qui va pas là-haut. Et on descend un petit peu. Hop. Au niveau des yeux, si vous pouvez regarder tout droit. Voilà, je vous le décrire. Et on regarde votre main. La main va trouver. On descend encore. Au niveau de la fesse. On descend encore. Allez, niveau des genoux. J'écarte les pieds un peu plus sur le côté. Dos bien droit, les fesses. Le popotin tend vers l'arrière. Allez, tibia. Je descends encore. Talon. Pointe de pied. 3, 2, 1. Et on marche sur place. Pied sur le côté. J'inspire. Et je souffle. Et je relâche. Je redresse tout doucement et je viens maintenant à monter de genoux. Et je monte. J'inspire, descends, je souffle, hop, je grandis. Abdos tourne, main contracté et moto grandit. Et on sourit. S'il vous plaît. Allez, on grandit. Et si on est bon, on va pouvoir venir accélérer. Et droite, gauche. Allez, auto-grandissement toujours. On peut faire son impulsion, il n'y a pas de souci. Et on grandit. On peut chercher. Le côté, c'est beaucoup plus rapide. Allez. Je vais chercher plus bas. Pour mon temps, mais je veux plus aussi, c'est plus facile. Je peux pas le dire. J'écarte et je ferme. Allez, écarte. Et ferme. J'accélère encore. Donc sur le côté. Les deux sessions tout doucement, je bloque mes pieds. J'inspire descendant. Et encore. J'inspire, je descends, je souffle et je remonte. Je bloque en bas. Allez. Et tout petit rebond de bas en haut. Ou de droite à gauche. Oui. Allez, 3, 2, 1, j'inspire. Je souffle et je relâche. Hop. Et je me redresse tout doucement. Parfait. Un petit coup d'eau. Ou toute autre boisson que vous avez. Voilà. Un coup de mieux, un petit coup de chauffe. À base. On vient de terminer la chauffe. 14 personnes se sont arrêtées. On sent que c'était les chocolats ce week-end et vous allez vous faire déculpabiliser en faisant faire du sport. Bravo. Bon, c'est vos motifs comme ça, tout. Après, vous n'avez pas trop oublié les chocolats, mais évidemment, pendant ce week-end de Pâques. Hop là. Comme je vous l'ai dit, on a besoin d'une chaise et on l'a sur le côté pour l'instant. Quoi. Voilà, très bien. On la relaisse ranger où est-ce qu'elle est. Pierre genre des épaules, j'inspire, je descends. Et je souffle et je remonte. Pour les petits squats. Si j'ai repris trop vite, vous mettez sur pause, y'a pas de soucis. Sur le même endroit, voilà. Enfin, si vous recliquez pas sur reprendre au live, vous prendrez où est-ce que vous en êtes. Et ça, c'est bien.
Allez, j'inspire, je descends, je souffle et je remonte. Dos bien droit. Les fesses vers l'arrière, les joues qui passent pas trop la pointe des pieds, allez encore. Couple. Allez, je vais aller un petit peu plus bas. Et de chercher sur les côtés. Et je tends. J'inspire. Et je souffle, allez. Bonsoir Marie-Laure. Ah bien après l'échauffement, mais c'est pas possible ça. Allez, courage. Et j'inspire et je souffle. On respire. Surtout quand on fait du sport. Allez. Bien récupéré en arrière. Et 5 fois à droite. À gauche. Enfin de ce côté là. 2. 3. 4. Et on change. 5 bah de ce côté là. 3. 4. Et on relâche. Hop là. Inspiration. On souffle et on relâche. Hop là. Main sur les côtés. Et les petits ronds. Allez. On continue, c'est super. Je pense que si vous continuez pas, c'est bien quand même. Hop. Les mains vers l'arrière. Et on va venir devant. Allez. Et sur le côté. Devant. Paume de main vers le bas. Allez, tout là-haut. On descend un petit peu plus. Venir même, hop, faire un talon fait. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Ça réchauffe bien. S'il se trouve facile, baisse un petit peu plus. Allez. Allez, 3, 2, et on relâche. Hop là. On va passer du coup à nos petits exercices. Sur la petite chaise. C'est mieux. Et hop là. Ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret comme ça. Bah si c'est plus bas, vous allez plus souffrir. Pour certains exercices, ce sera plus facile pour d'autres. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Hop là. Passez-la bien au milieu, vous ayez assez d'espace hop, sur les côtés. Allez hop là. Dès que vous avez votre chaise, vous pouvez vous asseoir dessus. Et voilà, j'espère que la séance vous a plu. Non, c'est faux. Venir sur le bain, donc faire plusieurs squats. Si vous avez un canapé, c'est vraiment encore mieux. Du coup, on va venir la largeur des épaules, même dans les pieds de la chaise. Largeur des pieds de la chaise, on va venir hop, se redresser. Quand on s'est relevé, on va venir se redresser. Donc faites attention, là vous mettez votre popotin. Voilà. Évitez de. Bon, je dis ça, je vais vous casser la figure, mais voilà, gardez vos pieds, vous rappelez à vous ce que vous êtes aussi, comme ça. Ouais, vous venez au bon endroit, c'est parfait. Si vous êtes arrivé à vos popotins, vous mettez un petit coussin sur vos fesses. Moi, le mien est assez rond, bourré, donc je pense que vous allez largement. Et voilà, allez, on inspire en descendant, on s'ouvre et on remonte. Et vous avez pour les aventures. Hop. On n'hésite pas hop, à regarder sous vous. Assez régulièrement, est-ce qu'on vient poser ses fesses. Dos bien droit toujours, je me grandis au maximum, je souffle et j'inspire. Et on est reparti. Allez hop. C'est fou ce qu'on peut faire avec une chaise. Oh, je fais panique. Ça te passe pas du tout. Allez. Maintenant, on va pas venir hop, se redresser. Enfin, se redresser, c'est vraiment. Je pose et je m'assois. Je me lève et je me redresse. J'inspire en descendant, je souffle et je remonte. Okay. Est-ce que ça commence à chauffer au niveau des cuisses? Vu que j'ai pas de réponse, je vais prendre ça pour un an et donc on continue. Allez. Cette fois maintenant, on va venir ne pas s'asseoir. On effleure, on essaie de toucher légèrement la chaise sans la toucher. Bah, c'est plus d'effleurer en fait. Hop là. Et on va venir bloquer en bas et on bouge plus. 3, 2 et on relâche. On est bien là. Hop là. Les mains au niveau de la chaise en fait. On a besoin de la chaise. Hop là. Pied à l'ordre des épaules, on va venir se redresser comme ceci. On va venir hop, fléchir. Donc les coudes pas sur le côté, vraiment vers l'arrière. On vient vraiment plier le coude et l'avant-bras hop, se baisse. Enfin, l'après-bras. Le biceps est reset. Voilà. Donc, on met un angle de 90 degrés et on revient. J'inspire en descendant, je souffle. Je souffre et je remonte.
si je vais aller comme ça, n'hésite pas à aller plus vite. Vraiment, c'est à votre rythme. On a pour 10 minutes. Allez, sourire, on a dit. Si c'est trop facile, j'écarte les pieds, aucun souci. Enfin, je tends mes pieds. Et si c'est bien comme ça, et bon, on reste comme ça. On bloque en bas. J'inspire. Quelques petits rebonds, les 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Hop là. On dégourdit un petit peu au niveau des triceps, pieds à l'avant des épaules, et on est reparti. En inspirant, on descend, on souffle, et on remonte. Allez, je souffle. Et on repart. Donc cette fois, je pose mes fesses, je retiens droit. Et je retends. Je pose, je bascule, hop, et je reviens. À tout le monde, vous pouvez venir prendre un petit coussin pour mettre sous le popotin, enfin sous le popotin, et au niveau du dos, je vous mets le dos. Hop là. Maintenant, on se pose plus. Vraiment, je tends et je pose. Je n'adresse pas vers l'arrière. Allez, jambes en descendant, je suis tous les jambes. Ces abdos bien contractés, même si j'en ai pas beaucoup. Allez, courage. Je vais mettre mes mains un peu là-haut. Et je fais. Maintenant, on effleure. On touche plus à rien. Les genoux, hop, toujours dans l'axe. Les genoux ne dépassent pas trop la pointe des pieds, surtout les épaules. Les fesses vers l'arrière, je vais y arriver. On bloque en bas, on bouge plus. 10 petits rebonds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Et on relâche. On ne tapote sur les cuisses. Hop là. Les mains comme ça. Et on prend pour les dips. Et c'est parti. Hop là. J'inspire en descendant, je souffle et je remonte. Si je souhaite, je peux aller plus vite, il n'y a pas de souci. Je peux essayer de quitter cela. On fait juste attention, pas d'hyperextension au niveau du coude. L'adresse sans trop tendre. Si c'est trop facile, je tends mes jambes devant, mais voilà. Je ne sais pas parce que je pars en même temps. C'est difficile. On bloque tout en bas. On bouge plus. 10 petits rebonds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 0. Et on relâche. On dégourdit un petit peu au niveau des cuisses, des triceps et tout ce qui chauffe bien. Et on se redresse tout doucement vertèbre par vertèbre. Et un petit coup d'eau si vous avez chaud, comme moi. Voilà, je parle beaucoup. Est-ce que vous avez chaud aussi? Okay. Et hop, la boum. Nous allons refaire deux fois les petites mêmes séries entre les squats et ce qu'on appelle les dips. Voilà. Première, enfin, on va venir mettre quelques complexifications quand même. Donc, je pose mes pieds. Le squat, et je viens faire hop, un petit squat sauté. Voilà, ça peut être un petit squat sauté si j'ai vraiment envie de faire travailler vraiment. Hop, avec impulsion, je fais bien attention où je replace mes pieds, évidemment. Si il fait chaud, tant mieux, c'est-à-dire qu'on travaille bien. Courage, Irina, prends-toi. Si c'est trop difficile, t'es bien comme ça. Je reste comme ça, y'a aucun souci. Sinon, un petit squat sauté, je fais toujours attention à mon dos, au bien droit. Hop. Et si encore trop facile, avec une petite montée de genoux. Pour les dips, comment on va faire pour corser un peu l'affaire, toujours sur son niveau de l'angle des pieds. Enfin, des genoux, parce que des pieds, ça va pas changer. Donc... Pardon, c'est l'émotion. Ah, donc toujours les dips. Là, comme ça, ça va. Un peu plus difficile. Un peu plus difficile, encore plus difficile. Et si le dip est trop difficile, il ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait? On lève une jambe. Et les deux si on est très très chaud. Je ne vous ferai pas une démo parce que je ne suis pas très très chaud. Voilà. Pour le commentaire, nous allons pouvoir retourner à nos moutons. 3, 2, 1. Stop. Et c'est parti. Je vous répète. Hop. Je m'assois. Je fais toujours attention
où je pose mon propre sein, c'est sur un canapé, je le répète. Comme ça, vous regardez moi, vous posez vos fesses. Et si on est bon, vous mettez dans l'arrière pour faire un petit squat sauté. Hop, on en dit. Et c'est trop facile, je répète. Hop là, avec petite impulsion. Enfin, petite impulsion, petite montée de genoux, je voulais dire. Hop là. Et le voisin du dessous. Tant pis. Hop là. Maintenant, hop. J'effleure juste la petite chaise. Venir faire toujours une impulsion si j'ai chaud. Et si j'ai envie d'avoir encore plus chaud. Dos bien droit toujours, abdomen à contracter, le popotin vers l'arrière, joue qu'il dépasse pas trop la pointe des pieds. Et on souffle, en montant. Alors encore 5. 4 et demi. Allez, 3. Accélère. 2. 3. 2. La dernière et on re. Ça lâche. On dégourdit tout de suite. Les dips. 3. 3. 3, ça gratte. 2. 1. 0. Et c'est parti. Allez, sur le refrain. En descendant, je souffle et je remonte. Hop là. C'est trop facile, je répète. Hop. On peut lever une jambe comme ça si je fais. J'en fais 5, hop, d'un autre côté. On bloque en bas. Allez, 5 rebonds. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Hop là. On tape au niveau des triceps. Au niveau des genoux aussi. Allez, on inspire, abdos contractés et on remonte. Et on est bien là comme ça. Je répète, c'est trop facile. Je fais un petit saut et ce sera déjà très bien. Mais c'est trop facile. Hop là. Fais toujours attention, je pose mon pouce au sol, bien évidemment. Donc si pour ça je le sens pas, hop là. Je me lève juste. Faites la vitesse que vous souhaitez. Vous pouvez plus ou moins lentement. Je trouve ça facile. Allez. Allez, encore 5. 3. 2. La petite dernière. Et on relâche. Un petit tour de chaise ou de canapé. Désolé pour ce temps de canapé. Et hop, on est reparti pour les dips. 3, 2, 1. Et c'est reparti. On en fait 15 et on termine pour ça. Allez, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Hop là. On vient gourdir un petit peu. Vers l'avant. Ou vers l'arrière. Hop là. Je tape sur mes cuisses. Pardon. Et je me redresse tout doucement vers terre. Par vers terre. Un petit coup d'eau. Est-ce que vous avez toujours chaud? Dites-moi si c'est trop facile hein, que je fasse plus de variables encore. Hein. Ne soyez pas timide. Faut pas être timide. On tire 5 ans. Je sais même plus ce que j'ai prévu pour la suite. Dips ou squat sauté, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Il est déjà 19h30. Ça passe vite. Hein. Hop là. Nous allons faire des squats bulgares. Bon, ça, ça ressemble clairement plus à une fente qu'à un squat. Désolé Mathilde. Il n'aime pas trop les fentes. Hop là. On pose un pied devant et l'autre sur la chaise. Si on est en sur le canapé, vous voulez pas poser vos pieds sur le canapé, bah, faites-moi les chauchottes. Hein. Non, enlevez vos chaussures, la chaussure qui est à l'arrière, voilà. Voilà, donc l'exercice, ça va être de fléchir du coup la jambe arrière, ça va aussi de devant. Et de ne pas trop mettre son genou comme ça vers l'avant. C'est vraiment, je descends un peu plus bas, voilà. C'est presque d'être que le genou arrière va être presque parallèle. Je prends cet accent, je sais pas du tout. Au pied de la chaise, voilà. Donc si c'est trop, si j'ai du mal, j'avance un peu plus la jambe arrière. Je peux toujours m'agripper, je vais arriver à faire ce soir, à poser ma main sur un mur si j'ai peur de tomber dans le déséquilibre. Un petit message, oui bien chaud. Tant mieux Marie-Laure. Courage, on lâche rien.
c'est ce début. La peau, j'ai trop épuisé. Hop là, donc un pomme de pied. J'avance un peu plus. Là, on est pas mal. Vous voyez ? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Allez, un pied posé n'importe lequel. 3, 2, 1. Et c'est parti, allez. J'inspire en descendant, je souffle. Et je remonte. Hop. Je lève mes mains comme si je faisais un petit sprint. Vous allez voir, ça va vite chauffer. Bon, dans à peu près 10 minutes. Je ne comprends rien. Je vais passer un peu loin. Si je ne ressens pas à ce moment-là la douleur, descends beaucoup plus bas. Ou un peu plus bas. On bloque en bas. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Okay. On dégourdit un petit peu. Et la même chose avec l'autre gambette. T'éloigne un peu trop toi. Hein. Hop là. La vague que vous voulez, pied devant, pied derrière, c'est mieux. Et c'est parti. Et je répète. Pas trop. Ah, y arriver. Le genou vers l'avant. Voilà. Deux liens droits, deux contractés, j'inspire en descendant, je souffle et je remonte. Allez, on bloque en bas. 3, 2, 1 et on re. Lâche. C'est chaud, c'est petit. On dégourdit, on dégourdit, on dégourdit. On dégourdit. Et on dégourdit. Lâchez sur un côté pour l'instant. J'ai plus que genre des épaules. Je viens fléchir sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Et j'échange. Allez, la jambe gauche. Et je reviens. Squat costal. J'inspire en descendant, je souffle. Je remonte, dos, abdos, dos, bien droit et bien gainé. Hop là. Et je viens bloquer sur la droite. Hop. Je vais faire 5 rebonds. 1, 2, 3, 4, 5. Et je change. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. La petite dernière. Oulala, ça chauffe. On est bien sans. Hop là. Et on remarche, on remarche, on remarche. On inspire, on grandit. On s'ouvre et on relâche. Hop là. Et on se relâche tout doucement. Hop. On vient rouler ses épaules vers l'arrière. On dégrandir les vides de tout à l'heure. Enfin des vides de tout à l'heure. Et je change, je viens vers l'avant. 3, 2 et on relâche. Hop là. Je monte mon épaule sur le côté, je relâche. J'inspire. Allez. Je grandis un peu plus et je relâche. Allez, encore un peu. Oh, ça fait bien. Un peu plus encore. Dernière fois gauche. Et dernière fois à droite. On dégourdit, on dégourdit, on dégourdit, on dégourdit, on dégourdit. Et on dégourdit. Ça va toujours. Hop là. Nous allons reprendre notre exercice de plus d'avant. Pas de bizarre. Je vais changer de chaise pour ma part. Ce sera plus facile vu qu'elle est plus basse. Ah, ok. Non, c'est pas. Si ça bougera moins. Hop là. Maintenant, en position. Un pied pour commencer. Et ce sera juste un pied. On fera pas les deux en même temps. Sur cousin, vous en faites pas. Juste pointe de pied. Non, juste pointe de pied. Évidemment, pointe de pied et pas vers l'arrière. C'est vraiment plus près possible du bord. J'ai dégoût de dire avant, excusez-moi. Excusez-moi. Hop là, pied devant, le pied devant. Et j'inspire en descendant, je souffle et je remonte. Et c'est parti. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous pouvez aller à la vitesse que vous souhaitez. Voilà. Et comme ça, évidemment, faites attention à ce joue. Ne dépasse pas trop la pointe des pieds. Allez, courage. Allez, encore 10. 9. 8. Allez, encore 5. 4. 3. 2. La petite dernière et on relâche. On dégourdit, on dégourdit, on dégourdit, on dégourdit. Et on change tout de suite. Deux points. Allez, tout ça. On a perdu dans notre.
pauvre Benjamin. Allez, Rina, on craque pas. Marine Rossi et tous les autres. Tous les autres. Hop là. L'autre pied devant, donc forcément l'autre pied derrière. Merci Damien. Et c'est parti. J'inspire en descendant, je souffle et je remonte. Comme tout à l'heure, si je souhaite, si j'ai du mal à tenir l'équilibre, n'hésite pas à poser ma main sur quelqu'un de solide. Donc pas sur moi. Hop là. Allez, encore 7. Allez, 5. Allez, 3. 2. La petite dernière. Et on re... Là. On dégourdit, on dégourdit, on dégourdit, on dégourdit, on dégourdit. Et on dégourdit un peu. Tout, tout sale. Hop là. Un petit coup d'eau. Pour moi. Pour vous aussi, si vous avez chaud. Hop là. Je répète, avant, si vous n'en pouvez plus, vous mettez sur, c'est comme si c'était un gosse. Attends, Bobo, j'en ai pas compris, j'ai mon gosse comme ça. Mais si c'est trop difficile, n'hésitez pas à mettre sur pause. Je reviens, je verrai, ça se va sentir le poney dans toute la pièce sinon. A tout de suite. Hop là. Chaud. Hop là. Abreuvez-vous. Oui, buvez un bon petit coup d'eau. Et dites-moi si vous avez chaud. Je ne crois pas tout seul. Hop là. Vous êtes bien abreuvé. On vient reposer son tapis par terre. Si vous n'avez pas de tapis, vous posez rien par terre du coup. Maintenant. Hop là. Un peu la même chose. Et hop là. Tapis posé par terre et nous avons toujours besoin de notre chaise. Et oui, le calvaire n'est toujours pas terminé. Yes. Voilà. Et toujours besoin de notre petite chaise. Et voilà, on va faire des trucs comme ça. Après, vous voyez si votre tapis glisse ou non avec la chaise. Hop là. Donc, je vais vous présenter l'exercice dans un premier temps. Je vais changer de côté pour la chaise. Hop là. Soit comme ça, soit entre les deux. Bref, vous faites ce que vous voulez. Hop là. L'exercice est le suivant. Ce sera plus facile avec une chaise, je vous préviens. Enfin, on irait mieux, pardon, avec la chaise. Donc je mets d'abord un pied deux sur la chaise et l'autre pied va venir en dessous de la chaise. On est bien comme ça. Hein. Donc on va douiller. Par exemple. Donc soit je pose juste un pied, soit je viens poser les deux pieds l'un sur l'autre. Si c'est trop difficile, je fais sans la chaise, il n'y a aucun souci. Si je fais le pied sur la chaise, et je viens hop me grandir pour bien décoller les fesses. On n'a rien vu, je suis pas tombé, c'est pas vrai. Ensuite, c'était la première variable, la deuxième. Enfin deuxième évidemment c'est ça mais sur la chaise. La troisième qui va arriver, vous en faites pas. La plus hardcore. Juste un pied et on va venir hop comme ceci. Je vais venir également mettre juste le genou. Juste le genou pour décoller le bassin. Après c'est vraiment trop difficile, je fais sans chaise et je vous fais le genou comme ceci. Vous en faites ce que vous voulez, j'ai tout dit. Je vais faire la variable la plus difficile. Voilà, comme ça je vais motiver toujours les jambes, mais j'essaie de motiver aussi. Voilà. Donc un pied, juste un pied un peu plus à vous doigts. Et le 3, et le 2, et le 1, et le 0, et top, c'est parti. Hop là, si je souhaite venir rapprocher, je vais dire ça. Et je vais vers sa poitrine, allez. Hop. On voit la main ou non. Hop là. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Gracieusement comme moi. On change tout de suite de côté. Je vais vous tourner le dos, c'est pas très poli, je sais. Et non, c'est pas pour rien, ça. Hein, je vois venir. Allez, on pose un pied. Et le 3, 2, 1, top, c'est parti. Hop là. Et je rapproche le genou, pied en bas. Évidemment, si j'ai deux pieds posés par terre, c'est
pour bien gagner, pour bien faire aussi. Alors encore 5, 4, 3, 2, le dernier rayon, là. On vient tout de suite poser nos pieds par terre, sur la chaise. Ou sur ou par terre, c'est évidemment trop compliqué. Je ne vous en voudrais pas, ne vous en faites pas. Hop là, on rapproche et on va venir après chercher le genou avec le coude opposé. Hop là, dos bien droit. Et bien évidemment, je ne mettrai pas de mes mains en tirant sur ma nuque, verser mes abdos, hop, et je me lève vraiment. Si vous voulez plus vite, vous pouvez, si vous voulez toucher un peu plus sur le côté, n'hésitez pas. L'extérieur ou intérieur, à vous de voir vraiment. Allez, encore 5. Là, c'est trop facile, hop, je fais sur ma chaise. C'est trop difficile, je vais plus par terre. Allez, 2. La dernière. Et on relâche. J'arrondis mon dos. Je roule à droite, à gauche, devant et en arrière. Je peux poser ma tête par terre si vous souhaitez. Allez à droite. Et à gauche. On vient se mettre gracieusement sur un petit côté. Hop là. On prend ce que j'ai fait. Alors le premier exercice, du coup sur le côté, il est déjà assez rempli de 43. Hop là. Du coup on prend la première variable, pardon, premier exercice, gainage sur le côté, avec tout son siège, à la tête, son canapé, sans vos pieds, sans les mains et ensuite sans les dents. Hop là. Un devant, un derrière, un devant. Un sur le côté, le soit devant, soit être au-dessus, soit en bas. À vous de voir. On inspire. On se grandit. On sourit. 3, 2, 1, top. C'est parti. Et on se lève. Allez. Si je peux faire ça, j'hésite pas. Sinon, je peux mettre les deux pieds dessus, aucun souci. Une main là, si j'ai du mal à me stabiliser. Allez, courage. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez deux pieds. Hop là. Et tout de suite, je change de côté. Hop là, avec la grâce d'un sac. Hop là, pardon, je me trompe de pied. Allez, voilà, je rapproche le pied qui est en bas. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose les pieds tout de suite sur la chaise ou par terre, à vous de voir. Je peux me rapprocher plus de la chaise, à vous de voir. Et le 3, 2, 1, top, et c'est parti. Allez. Et résultat, si je souhaite aller chercher encore plus loin, sur les côtés. Évidemment, je m'auto-grandis toujours, les abdos bien contractés, et je ne mets pas de mes mains pour tirer avec ma nuque. Je grandis vraiment grâce à la force de mon abdal et mes abdos. Allez, encore 3, 2, la petite dernière, et on relâche. J'arrondis mon dos, je pose mon pied, ma tête par terre, et je roule à droite, à gauche, devant, et en arrière. Donc là, soulager toutes les parties de mon dos. On vient se remettre une dernière fois sur le côté. Allez. On vient faire une dernière fois. Si c'est trop comme ça. Du coup, on vient, je répète, avec ou sans chaise. C'est trop difficile avec la chaise. Avec cette chaise, c'est ce que je peux vous dire. C'est dans le but d'être un peu plus bas, à vous de voir vraiment. Quoi d'autre à dire? On essaie de pas reposer ses genoux entre le changement des côtés. Pardon, c'est l'émotion. Et voilà, ensuite, tout de suite, on vient faire ce matin, on vient faire 10 fois. Rapproche le genou 10 ou alors 10 à 15 secondes d'un côté, de l'autre, on fait à droite et à gauche, et ensuite on fait plusieurs fois les abdos. Voilà. Et on s'arrêtera là pour les abdos, je pense. Yop là. Vous choisissez la variable que vous voulez bien évidemment. 10 à droite, 10 à gauche, 10 à droite, 10 à gauche et plusieurs abdos. Je mets ça, casse-toi. Oui, je parle à mon micro. Allez,
une inspiration, un beau sourire, la douleur, c'est dans la tête. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, et stop. C'est parti. Allez, 10, 9. Si c'est trop difficile, je fais plus lentement, il n'y a pas de souci. On change de côté. Hop là, gracieusement. Ou non. Allez, c'est reparti si on est déjà prêt. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, on change de côté. On est arrivé. Hop là. Allez, 10 encore de ce côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, oh, tu m'en veux, toi. 3, 2, 1, on change de côté les dernières fois. Olé. Et 10 fois encore. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, la dernière et on veut. Lâche. Tout de suite. Les pieds sur la chaise ou non. Faites comme ça si je souhaite. À vous de voir vraiment. Je vais casser la porte. Et c'est parti. Allez. N'hésite pas vraiment de grandir de chaque côté. Bougez d'aller très plus loin. Si ça me suffit, bah je reste comme ça si on veut un peu plus loin. Allez, encore 5 allers-retours. Plus que 4. Et 2, 3. Plus que 2. Allez, on sourit. La dernière. Et on re. J'ai oublié de faire la dernière, on relâche. Hop là. On vient rouler. On enroule son dos. Enfin, on arrondit son dos. Et on roule aussi bien à droite. À gauche. Devant et en arrière. N'hésite pas à soulager toutes les parties du monde. Allez, encore 3, 2, 1. Et je viens me laisser porter sur le côté. Hop là, je redresse doucement vertèbre par vertèbre. Je sais pas ce que je veux dire. On décale ça sur le côté. On va venir faire quelques étirements pour s'étirer. Et bah, ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. On lève la chaise, mettez un petit pull. Si vous avez peur d'avoir froid, on va tirer si possible. Et on va venir partir sur une cuisse un peu plus relax. Relaxation pour dormir. Hop là. Pour commencer, vous mettez tranquillement. Vous êtes posé sur votre tapis pour l'instant. Sur votre dos. Attention, sans transition, je baisse votre musique. Hop là. On va partir du coup sur la petite relax. Hop, il y aura peut-être la pub YouTube, je ne sais pas. Et il y en a, c'est dommage. Hop, du coup, on s'assoit pour l'instant. On se met sur ses genoux, on va venir chercher loin devant avec ses mains pour venir étirer son dos. Et la petite musique arrive, attention. 3, 2, 1. Ça fait du bien. Oui. Hop là, je remets les commentaires. Si j'y arrive, yes. Hop là. Je vais me mettre comme ça, je vais pouvoir voir si c'est devenu commentaire, même si je vois un petit peu flou sans lunettes. Hop là. Bon, je peux mes genoux par terre et mes fesses au-dessus de mes talons chevilles. Et je pense à bien respirer à chaque expiration. J'essaie d'être plus en plus loin avec mes mains pour venir étirer mon dos et mes épaules. Dès que je suis au maximum, je déplie mes genoux tout doucement et je vais pouvoir venir me pencher vers l'avant. Donc si je le souhaite, je peux venir mettre mes mains hop sur le côté et je me penche pour faire la position pour le bateau, du cobra, du phoque, de ce que vous voulez. Bien évidemment, je ne mets pas mes épaules dans ma tête et j'essaie vraiment hop de m'auto-grandir au maximum. Ouh, le petit commandeur qui fait du bien. Et on grandit vraiment au maximum. Et encore 3, 2, 1. Et on revient vertèbre
barre verte. Une nouvelle fois, hop, je viens m'asseoir sur mes chevilles et je viens chercher loin devant avec mes mains pour venir attirer mon dos. J'essaie d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. J'essaie de grappiller les quelques centimètres, les dernières, millimètres qui me restent. Si je suis au max et que pour aller plus loin, je suis obligé de me déboîter l'épaule, et ben je me redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre. Je me lépie tout doucement. Les doigts à droite et à gauche. Les positions du cobra, du sphinx. Une deuxième fois. Et je me grandis vraiment au maximum, comme à chaque fois. Hop là. Et encore 3, 2, 1. Et on se redresse à vertèbre. Hop, 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 hop. Par vertèbre. Je vais venir reposer mes mains. Déjà, je me fais la pointe des pieds, les talons tout là-haut. Je vais venir poser mes mains sur mes chaussures, ce que vous avez. Et je vais venir, hop, vraiment, m'auto-grandir. J'essaie d'aller vraiment vers l'avant. Je change le nombril. Je ne pas trop mon ventre comme ça, fort d'excès de chocolat. Mais hop, diagonale vers l'avant. Et je me grandis. Je gonfle la poitrine aussi, les épaules vers l'arrière. Et je regarde, hop, diagonale vers l'avant aussi. Enfin, plus vers le haut que le diagonale quand même. Allez, encore 3, 2, 1, et on relâche tout doucement les vertèbres. Hop là, on vient poser un pied par terre, les mains sur les cuisses, et courageusement et héroïquement, nous pouvons cela nous lever. N'oubliez pas de reprendre votre tapis au passage. Je l'enroule rapidement et je vous reviens. Hop, 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 hop. Je viens me mettre près d'un mur si on veut, voilà. Et je vais venir rapprocher mon genou droit vers ma poitrine. Donc soit la main, soit la tête, soit le dos, ou sans rien si vous le sentez, pas de souci. On pense à bien respirer à chaque expiration. Hop, j'essaie de me grandir de plus en plus. Et si ça se passe bien, ça doit tirer au niveau de l'isque jambier ici. Voilà. Allez, encore 3. 2 et on on change de côté, une grande inspiration, je pose mon dos courageusement et hop là, et je me grandis. Comme tout à l'heure, à chaque expiration, n'hésite pas à m'auto-grandir de plus en plus vers le haut. C'est l'émotion. Et encore 3, 2, et on relâche. Tout doucement. On vient se mettre sur un côté. On va venir rapprocher. On vient déjà attraper. Pointe de pied avec la souplesse légendaire que j'ai. Et on vient rapprocher le talon vers sa fesse. Donc si je souhaite, je peux venir devant. Je colle mes deux genoux, ni vers l'avant, ni sur les côtés. Si tout se passe bien, ça doit tirer au niveau du quadriceps et au-dessus du genou. Voilà. Vous endormirez moins bête ce soir. Et je me grandis toujours, je peux venir, hop, me plier sur quelque chose de petit peu mur porteur. Ça fera l'affaire. Et encore 3, 2, et on relâche. On change de côté. C'est plus facile d'attraper celle. Pointe de pied vers ses fesses. Talon vers ses fesses. Je colle les deux genoux, ni sur le côté, ni devant. Et je me grandis. Il y a un message, j'arrive. Merci, c'est grand plaisir, Irina. Bonne soirée. Hop là. Et on se grandit. Et encore 3, 2, et on relâche. Hop là. La main droite au-dessus de la tête, comme ça, comme si on essayait d'attraper le milieu de ces omoplates du coup qui se trouvent ici. Avec la main droite, je vais chercher le plus bas possible au milieu de mes épaules toujours. Avec la main gauche, oui c'est ça, j'appuie sur mon coude droit
et j'essaie de plus en plus avec mes mains pour étirer le triceps qui se trouve ici, qui a bien travaillé pour les dips. Voilà. Je pense à bien respirer à chaque expiration. J'essaie d'être plus en plus bas. Et encore 3, 2, 1 et on. Et on relâche. La main gauche au niveau des omoplates avec le. Ah, c'est compliqué, main gauche, j'appuie sur mon coude droit. Tout inversé donc. Je vais inverser ma droite et ma gauche. C'est pas facile. Hop là. Et comme tout à l'heure, à chaque expiration, j'essaie de grappiller de plus en plus en poussant un peu plus avec ma main droite. Sur le coude gauche. Bien évidemment, les poings sur le côté, c'est vraiment hop, je colle à mon oreille. Allez, encore 3, 2, 1 et on. Et on relâche. On vient rouler ses épaules vers l'arrière. Tranquillement. On change, on vient vers l'avant. Oh, ça fait du bien. Et on relâche. Tout doucement. Une petite inspiration. Et on se grandit. On monte ses épaules. On gonfle sa poitrine. On souffle et on relâche. Et on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre. Une autre inspiration, la deuxième. On en fera une dernière après. On décolle légèrement ses talons en se mettant sur la pointe des pieds. Poitrine encore plus gonflée. Et on monte encore plus ses épaules. Position très naturelle, je vous l'accorde. Et encore 3, 2, 1 et on. Et on relâche, on se redresse vertèbre par vertèbre. Une dernière fois. Je me grandis vraiment, hop, au maximum. Poitrine encore plus gonflée, les talons bien décollés. Je relâche mes épaules. Je mets mes mains au-dessus de la tête. Petite expiration. Youp. Je laisse pendouiller mes mains sur le côté, à droite, à gauche, devant. Et en arrière, j'écarte un petit peu plus mes pieds. Et dans une dernière grande expiration, mon corps entier devient lui aussi, ça gratte, de la guimauve. Et hop là. Et on relâche à droite, on pendouille à gauche, partout, 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 partout. Hop là. Tout doucement, on va venir tapoter sur ces mollets qu'on peut tant travailler que ça. Hop, les cuisses, les fessiers, les abdos, le dos, les épaules, jusqu'au bout des doigts. Tout ce qui a bien travaillé, hop, 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 hop. Aujourd'hui, enfin ce soir. On prend sa main droite, sa main gauche et un très très grand. Bravo! Hop là! Allez, au lit! Hop là! J'espère que. Ah, ça m'embête! Que la séance vous a plu. J'espère, ça serait bien. Enfin, sinon, vous ne viendrez pas, vous m'irez. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a convenu. Si ça vous a convenu. Si ça vous. Si ça. Si ça vous. Ah, punaise! Si ça vous. Ah, si ça vous convient. Tout ça pour dire ça. Merci, Damien. J'espère que la séance du coup vous a plu. Si ça vous a. Oh punaise, si ça vous convient, c'était parfait. Dites-moi ça. Faites-moi un cours de français, ça ferait pas de mal aussi. Voilà, faites-moi un petit retour, ça me ferait plaisir. Comme ça, je sais si c'est bien ou pas bien. Voilà. Super séance, merci. Bravo Damien, merci Laurence. Avec grand plaisir Sylvie. Voilà. Du coup, pour la semaine prochaine, aussi, vous donnez des devoirs. Bonne soirée Marie-Laure. Pour la semaine prochaine, non, vous pouvez y arriver pour jeudi. Du coup, c'est titré Home Training Sport sur Koh-Lanta. Donc, il y aura besoin de pas mal de matériel. De toute façon, je vous dirai ça au début. Je répète, sac lesté, 2 bouteilles d'eau. Enfin, pour faire office de poids. Donc, si vous avez des bracelets lestés, vous les prenez. Des boîtes de conserve, ça fait l'affaire. Ou des. Je sais pas, des trucs qui pèsent un peu. Voilà. Donc, sac lesté et 2 bracelets. Et des poids, bouteille d'eau, tout breuvage que vous pouvez prendre pour boire, tapis, bouteille d'eau, puis on est déjà pas mal. C'est voilà, reprise géniale, après plus de 2 mois, c'est parfait Sylvie, c'est parfait. Pour cause, côte cassée, ah oui, c'est embêtant en effet. Bon, tant mieux ça, si ça a été. voilà, je vous ai dit de bêtises pour ce soir, je vous souhaite une très très bonne soirée, reposez-vous bien, ou bonne journée si vous avez vu le live plus tard. voilà, à jeudi, à bientôt pour certains, certaines. Et très bonne soirée. Au revoir.